Ouais, appelez-moi Anselme Abruy. Moi-même, ça là même, je valide. Anselme Abruy, là, ouais. 2020 a commencé jusqu'à, on est dedans. Là, là, dans quelques jours, en 2021, je suis dedans. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Petit là, l'enfant si. Hey. C'est-à-dire que il comprend tellement sa maman. Il vit avec moi. Il vit. Comment je vais dire? Quand je suis triste, mon fils, il est triste. Quand je suis en joie, mon fils, il est en joie. Quand je pleure, en tout cas, faut pas qu'il me voie. S'il me voit que je suis triste, automatiquement, il est triste. S'il me voit couler des larmes, il va pleurer. Il ne sait pas, mais bon. Peut-être c'est parce qu'il est trop proche de moi qu'il a ces genres de manie ou cette attitude, ce comportement, je ne sais pas, mais c'est fort. Et ça fait que je suis encore plus fière d'être sa maman, quoi. Voilà. Donc, pardonnez mon enfant, il m'a défendu comme un vrai garçon, un digne fils de la Côte d'Ivoire. Il a défendu sa maman. Il dit, OK, on dit maman n'est pas mariée. OK, moi-même là, je représente le mari, le fils, le père, toute ma maman. Je vais la défendre. Malgré qu'il a 12 ans, regardez un peu ses actions. C'est pour présenter mes excuses auprès de vous tous. Voilà. Je présente mes excuses à toutes ces personnes que j'ai frustrées, toutes ces personnes que j'ai blessées de par mes sorties ces 2 derniers jours-là. Voilà. Je vous demande pardon. Franchement, moi-même, je n'ai pas aimé cette situation-là. Mais vous savez, dans la vie, quand les choses se répètent, les choses se répètent, il faut que une bonne fois pour toutes, on mette fin à ça, quoi. Donc c'est pourquoi je suis sortie ces 2 derniers jours-là pour faire mes différents directs, tout et tout, pour clarifier certaines choses de mon passé. Voilà. C'était pour clarifier certaines choses de mon passé. Et pour beaucoup de personnes, c'était pour un buzz. Je vous le promets, c'est pas pour un buzz. C'était pour clarifier les choses de mon passé. Voilà. Qui veulent me rattraper, mais ça, c'est impossible. Donc c'était pour refouler mon passé. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans trop de détails. Voici pourquoi il y a eu un peu de bruit. D'où mon nom, Anselme Abruy, est sorti. Donc, je demande pardon. Et toutes ces personnes que j'ai choquées lorsque j'ai sorti ma Bible, voilà, pour jurer, chez nous les chrétiens, ça se fait pas. Ça se fait pas, c'est vrai. Franchement, je vous demande pardon. Je regrette d'avoir sorti la Bible pour jurer. Ça ne se fait pas. Je l'ai fait, ça a été un mauvais comportement de ma part. Et je vous demande pardon pour ça. Je demande pardon à tous les hommes de Dieu, voilà, à toutes les mères spirituelles, à tous les pères spirituels, à tout le monde entier que j'ai choqué parce que j'ai été la première à sortir une Bible pour jurer. Mais je l'ai fait parce que j'en avais marre de ce passé-là qui voulait à tout prix me rattraper. Voilà. Et ce passé qui voulait forcément me déranger dans mon présent. Voilà. Donc, je l'ai sorti juste pour mettre les points sur les i et pour clarifier la lanterne de tout le monde. Parce que beaucoup de personnes ne savaient pas au fait qu'est-ce qui se passait. Pourquoi c'est vital, toujours c'est vital. Vital, depuis 2020, on a commencé, c'est vital, c'est vital, c'est vital, c'est vital. Et que moi-même, je dis, ouais, tu es vraiment Anselme Abruy. Ouais, appelez-moi Anselme Abruy. Moi-même, ça là même, je valide. Anselme Abruy, là, ouais. 2020 a commencé jusqu'à, on est dedans. Là, là, dans quelques jours, on est en 2021, je suis dedans. Ah, vraiment, je vous demande pardon. Mes Colombiens, mes Mexicains, mes Jamaïcains, désolé. Désolé. Officier Kabongo, c'est pas enfantin, je suis désolé, mon frère.
Chacun de nous a un passé. Hein? Oui, toi-même ton passé. Mais si on veut écouter même la même, c'est pas bon même. Voilà, donc, si chacun de nous a un passé. Et s'il y a des choses à clarifier, il faut le faire. Donc, désolé aussi pour la petite sortie de mon fils. Il le fallait. Il le fallait, c'est vrai, c'est un enfant. Mais il a 12 ans. Il y a certaines personnes qui pensent que mon enfant est encore bébé. Genre, il a 3 ans, 4 ans. Mon enfant, il va à l'école. Il a 12 ans et il est en classe de 5e. Mon fils, il est au collège. Il est en classe de 5e. Il a 12 ans. Il est dans une école française. Voilà, dans une grande école de la place. Voilà. Donc, l'enfant, le message, j'avais vu sur Internet, là. En fait, je suis étonnée de lire certains comportements qui disent que c'est pas mon enfant qui a écrit, c'est moi qui ai écrit. Mais vous-même là, vous êtes témoin. Mon enfant a fait plusieurs émissions télé ici. Mon enfant a fait des émissions radio aussi. Il s'est exprimé. Même là, il fait souvent des directs, il s'exprime. C'est quelqu'un qui sait très bien s'exprimer, c'est quelqu'un qui sait écrire. C'est pas un gamin, il a 12 ans. C'est pas un enfant de 6 ans, 7 ans, 12 ans pour moi, c'est un homme. Hein. Voilà. Et tout ce qui se passe autour de sa maman, il est sur Facebook, il a même WhatsApp, il a Instagram. Il suit un peu l'actualité. Mais il ne peut pas trop s'y mettre parce que, bon, tu vois, c'est la vie de sa maman, il ne veut pas trop. Mais quand ça déborde, très souvent, il essaie de réagir. Voilà. Donc, pardonner sa sortie, il fallait qu'il défende sa maman. Vu que sa maman n'est pas encore mariée. Parce qu'il paraît qu'il faut être marié avant de faire les clashs ou bien avant de s'exprimer. Mais chez nous, les gourous, yorulés, baoulés, comme je vous ai dit, c'est un gros mélange. C'est un gros mélange de moi, de gourous, de baoulés et de yorulés. Voilà, voici mes ethnies. Moi, gourous, baoulés, yorulés. C'est un gros mélange, au fait. Donc moi-même, là, je ne sais pas. Si je me mets de quel côté gourou, bah, c'est même ça, là. Voilà, c'est même chose, là. Voilà, c'est mon côté baoulé là, qui fait que je suis beaucoup gentil. Et puis mon côté gros, là, c'est ça qui fait en scène ma bruit, là. Donc, pardonnez-moi pour ça. Donc, mon fils m'a défendu. C'est sa mère. C'est sa mère. Il doit défendre sa maman. Et puis, en plus, ils ont menti sur mon enfant. Voilà. Donc, il m'a dit, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, maman, moi, j'ai fait direct. Il a dit, non. Faut pas faire direct, vous laissez. Il dit, si maman, j'ai fait direct. Il a dit, non, on va faire direct, vous laissez. Ça, là, attends aussi, ça va te mettre, ça, là, laisse, on va gérer. Donc, on dit, il a quitté l'école, il est venu, l'après-midi. C'est important. Pour un homme, pour une femme, en tout cas, quand tu es un homme, un être humain, là, le mariage, c'est important, mais c'est pas une obligation. Voilà. On force pas pour avoir le mariage. Il n'y a pas un coin où on va payer pour se marier. Ça doit venir du cœur. Donc moi, je prends mon temps pour avoir un homme. Je prends mon temps pour me mettre dans un foyer. Mais ce n'est pas tous les hommes aussi qui acceptent femme, qui va couper, décaler, mais une femme qui chante, qui trace, quelqu'un qui met pied à l'air pour danser, elle est dans le foyer. Ce n'est pas tous les hommes. Donc pour le moment, laissez-moi chercher mon argent, m'occuper de mon fils, m'occuper de moi-même, de mes frères et sœurs avec qui je vis ici. Voilà, m'occuper de ma carrière, puisque c'est moi qui gère ma carrière. Voilà, donc laissez-moi chercher mon argent. Ne mettez pas de pression. Mariage. C'est comme si vous mettez une pression sur votre artiste. Voilà. Prions seulement que Dieu nous donne longue vie. Prions seulement que Dieu nous permette de réaliser nos rêves. Moi, la musique, c'est ma passion. Je ne peux pas épouser un homme qui va me dire, laisse la musique pour m'épouser. Sinon, ce genre de proposition, j'en ai eu. On me demande de laisser la musique. Me mettre dans un foyer, ça sera compliqué, ça sera difficile. C'est-à-dire que même si j'accepte de me mettre dans un foyer, je vais forcément sortir. Faut aller en boîte, je vais forcément sortir, je vais me mettre dans le showbiz là. Un peu, Marie là va se fâcher. Donc, soyons réalistes, soyons vrais, soyons sincères. Voilà, ne forçons pas les choses.